Je parle d'un thème intitulé « Retour à l'envoyeur ». I talk about the theme titled Back to Sender. Retour à l'envoyeur. Back to Sender. La Bible déclare. Bible declares. Genèse chapitre 8 verset 22. Genesis chapter 8 verse 22. Tant que les cieux et la terre subsisteront. As long as heaven and earth will endure. La loi de la semaille. The law of seed time. La loi de la semence. The law of seed time. Et de la moisson va subsister. And harvest will never cease. Si tu sèmes, tu récoltes. If you sow, you reap. Église enfant de Dieu. Church children of God. Ce n'est pas une négociation. It's not a negotiation. C'est une information. It's an information. Je commence par dire à ta vie. I start telling your de life. Ta conception dans le ventre de ta mère. From your conception in the womb of your de mother. Ta naissance. From your birth. Pendant que tu grandissais. While you were growing up. Jusqu'à ce jour. Till today. Tout ce qu'on a sémé de négatif dans ta vie. All what was so je déclare et je prophétise. Retour à l'envoyeur. Tout ce qu'on a parlé négativement sur toi, je déclare et je prophétise. Retour à l'envoyeur. Quelqu'un s'est levé. Il a regardé ta mère. Et il a dit à ta mère, tes enfants vont souffrir. Tu vas souffrir avec tes enfants-ci. Je viens parler maintenant. Ça repasse sur ses enfants. Ça repasse sur ses enfants. Ça repasse sur ses enfants. Je prophétise. Ce soir, quelqu'un s'est levé. Il a parlé aux enfants de ton père. Il a dit à ton père, tes enfants ne seront rien. Tes enfants ne feront rien. Tes enfants n'iront nulle part. Je lève mon doigt vers le ciel. Je déclare retour à l'envoyeur. Je déclare retour à l'envoyeur. Tout ce qu'on a dit sur tes enfants, je renvoie sur leurs enfants. Tout ce qu'on a fait contre ta famille, je renvoie sur leur famille. Je prophétise ce soir, toutes les maladies ont été lancées. Je récupère, je récupère, je récupère ces maladies. Je renvoie l'expéditeur. Je renvoie l'expéditeur. Je renvoie l'expéditeur. Je renvoie l'expéditeur. Je prophétise celui qui t'a lancé la stérilité. Je renvoie ça sur sa femme. Celui qui t'a lancé le blocage. Je renvoie sur ses enfants. Je prophétise par l'onction de Dieu, par la puissance de Dieu, l'esprit impur qui oppresse ton mariage, qui oppresse tes fiançailles, qui oppresse tes affaires. Je renvoie l'expéditeur. Je renvoie l'expéditeur. Quelqu'un t'a maudit. Retour à l'envoyeur. Quelqu'un a souhaité ta mort. Retour à l'envoyeur. Quelqu'un t'a souhaité l'accident. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à cette église. Mon ami, my friend, laisse-moi te dire ce soir, let me tell you nous prenons trois jours de délivrance, de guerre et de combat, où j'ai à te dire, la première chose que je dis ce soir, ça ne dépend pas de toi, de ton humeur, de ta gentillesse, de ta tristesse. Je t'informe, j'ai reçu le mandat, tout ce qu'ils ont fait contre toi, je récupère et je renvoie, je récupère et je renvoie. Ce qu'ils ont dit, je récupère. Et je renvoie. Amen. Ce qu'ils ont planifié, je récupère. Et je renvoie. Amen. Ce qu'ils ont concocté, je récupère. Yes. Et je renvoie. Amen. Je dis je renvoie. I je renvoie. Je renvoie. Les maladies. Retour. Les sorts. Retour. Les flèches. Retour. Les malédictions. Retour. Les incantations. Retour. Les imprécations. Retour. Les imprécations. Retour. Les imprécations. Retour. Je prophétise. Yes. Dans ton lieu de service, hey. On a fait des pratiques contre toi. Dans ton quartier, hey. On a fait des pratiques contre toi. Jesus. Dans ta famille, hey. On a fait des pratiques contre toi. Je déclare, yes. Retour, 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 retour. Je prophétise, hey. On t'a fait traverser quelque chose. Et à partir de ce moment, hey. Le pied a commencé à faire mal. Je prophétise, yes. Retour à l'envoyeur, retour, retour à l'envoyeur, retour, retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour à l'envoyeur. Retour. Je parle à ta vie. Hey. Un homme avec qui tu as été. Hey. Après la séparation. Hey. Il a décidé de pourrir ta vie. Je déclare. Hey. C'est la vie de sa soeur qui sera pourrie. Amen. C'est la vie de sa soeur qui sera pourrie. Amen. C'est la vie de sa fille qui sera pourrie. Amen. Je prophétise sur ta vie. Yes. Yes. Toute personne sous le son de ma voix. Hey. Quelqu'un a juré. Hey. Quelqu'un a juré. Hey. Que tu ne seras rien. Michael. Pendant je tape le tête de l'éternel. Je renvoie ça sur ses enfants. Je renvoie ça sur ses enfants. Je renvoie ça sur ses enfants. Quelqu'un a tapé sa poitrine. Qu'il va t'enterrer avant la fin de cette année. Je tape ma tête ce soir
C'est son enfant qui sera enterré. Amen. C'est son enfant qui sera enterré. Amen. Tu ne meurs pas avant ton temps. Jamais. Tu ne meurs pas avant ton temps. Jamais. Je prophétise. Yes. Toute main noire qui a été déposée sur ta famille. Je renvoie l'expéditeur. Les instruments qu'on a envoyés sur toi. Je renvoie l'expéditeur. Je prophétise. Ils ont juré. Tu vas passer ta vie à pleurer. Je renvoie ça sur eux. Ils vont pleurer. Tu vas te réjouir. Ils vont se lamenter. Tu seras dans la joie. Ils vont tomber. Tu vas monter. Ils vont tomber. Tu vas monter. Ils vont tomber. Tu vas monter. Je prophétise. Par l'onction de Dieu. L'oncle là. La tante là. Le cousin là. L'ex là. Le patron là. Qui a écrit ton nom dans une liste noire. Je lève mon doigt vers le ciel. Ton nom est effacé. C'est son nom que j'écris maintenant. C'est son nom que j'écris maintenant. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les plaies s'arrêtent. Les plaies s'arrêtent. Les plaies s'arrêtent. Les plaies s'arrêtent. Tu vas bénéficier du fruit de tes entrailles. Tes enfants vont se marier. Tes enfants vont se marier. Tes enfants vont se marier. Tes soeurs vont se marier. Tes frères vont prospérer. Je prophétise. L'oncle là, le grand frère de ton père, a maudit tous les enfants de ton père. Je prophétise. Je renvoie sur ses enfants. Je renvoie sur ses enfants. Je renvoie sur ses enfants. La tante là, qui a maudit les enfants de ta mère. Je récupère ça. J'applique ça sur ses enfants. J'applique ça sur ses enfants. J'applique ça sur ses enfants. Je prophétise. Par l'onction de Dieu. Tout esprit négatif. Tout esprit malin. Toute maladie. Toute pauvreté. Tout blocage. Esprit de rejet. Qu'on t'a envoyé. Je déclare. Retour. 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 Au nom de Jésus. Assieds-toi. Yes. La Bible déclare, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Je prie pour toi. Les armes forgées contre toi sont sans effet. Sans effet. Sans effet. Dis sans effet. Les maladies, les blocages, les échecs, la pauvreté, les hôtels de retard, de rejet. Dis sans effet. Dans ta vie, dans tes projets, j'entends pas bien. Dis sans effet, dis sans effet. En cette fin d'année, dans ta maison, sur tes enfants, sur ton contrat, sur ton travail, sur ton ministère, au nom de Jésus, à cette église. Yes. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lève en jugement contre toi, tu dois la condamner. You must condemn it. Si tu laisses une langue se lever en jugement contre toi, if you allow a tongue to rise and judge you, la condamne pas, if you don't condemn it, et tu ne la condamnes pas, and you don't condemn it, elle va te condamner. It will condemn you. Les sorciers ont compris le principe. Eux, ils parlent, nous, on pleure. They speak, we cry. Eux, ils parlent, nous, on rit. They speak, we laugh. Ils ont seulement parlé. They just spoke. Le pied a commencé à gonfler. And the foot started. Ils ont seulement parlé. They just spoke. L'entreprise a commencé à chuter. The enterprise started. Ils ont seulement parlé. They just spoke. Les rejets, rejection, les blocages, blockages, humiliation, humiliation, la pauvreté. Poverty. Nous aussi, on va parler. We will speak too. Le retour à l'envoyeur return to sender concerne les hommes de Dieu. Concerns men of God. Ton rôle, your role, c'est d'aimer, is to love, c'est d'aider, is to help, c'est de soutenir, is to sustain. Mon rôle, my role, c'est de les tuer, is to kill them. Dieu dit dans Romains chapitre 12, God said in the book of Romans chapter 12, faites le bien, do good, aimez, love, soutenez, sustain, financez, finance, faites du bien, do good. Il s'adresse aux enfants de Dieu. He's talking to the children of God. Mais il dit au prophète, ce que j'ai contre toi, but he told the prophet, what I have against c'est you, que tu as laissé vivre une sorcière. You left a witch alive.
Elimas était un petit sorcier. L'apôtre Paul ne pouvait pas laisser vivre. On, les prophètes et les hommes de Dieu n'ont pas le droit de laisser vivre celui qui te trouble. La Bible déclare, si quelqu'un vous trouble, si quelqu'un trouble tes affaires, si quelqu'un trouble ta maison, si quelqu'un trouble ton ministère, quel qu'il soit, je suis désolé, quel qu'il soit, si c'est celle qui t'a mis au monde, si c'est celui qui t'a mis au monde, si c'est ton ex, si c'est le père de ton enfant, si c'est ton ancien pasteur, je suis en train de dire, si quelqu'un te trouble, il emportera la peine. Ce soir, la peine tombe sur lui, la peine tombe sur lui, la peine tombe sur lui, au nom de Jésus. Assieds-toi. Il dit dans Romains chapitre 12, nous lisons, verset 17, Ne rendez à personne le mal pour le mal. Je te parle à l'église. I talk to you, church. Ce que je viens de faire, c'est moi qui fais ça. I'm the one who... Mais toi, but you. Ne rends à personne le mal pour le mal. Repay nobody evil for evil. Yes. Ne rends à personne le mal pour le mal. Do not repay evil for evil. Pour que tu rendes le mal à quelqu'un, il faut que ton cœur soit méchant. For you to repay evil, your heart must be evil. Et si ton cœur est méchant, Dieu n'est plus avec toi. And if your heart is evil, God is no more with you. Moi, je l'envoie ça parce que c'est mon travail. I return it because it is my work. Ton travail, c'est d'aimer. Your work is to love. Mon travail en tant qu'homme de Dieu, my work as man of God, c'est de trancher. Is to edge it. Quand Pierre prend l'épée pour couper l'oreille, when Peter takes the sword to cut, Jésus ne l'a pas puni. Jesus did not punish him. Jésus Jesus a seulement recollé l'oreille. Il disait, c'était pas le moment. Il fallait couper ça le lendemain peut-être. Just fix up the ear. À aucun moment Jésus a dit à Pierre, je te punis parce que tu as coupé l'oreille. Jesus did not punish Peter because he cut the ear. Le même Pierre dans Actes chapitre 5. The same Peter in Acts of Apostles chapter 5. A tué Ananias. Killed Ananias. A tué Sapphira. Killed Sapphira. C'est pas un chrétien. He's not a Christian. C'est un apôtre. But an apostle. Donc les hommes de Dieu ont des mandats que vous, qui ne vous concernent pas. Have mandate that don't concern you. L'homme de Dieu voit un sorcier assis sur ta vie. The man of God sees a wizard seated upon your life. Il le renverse. He pulled him down. Il meurt. He dies. Ça ne te regarde pas. It is not your concern. C'est ton oncle. Is it your uncle? C'est ta tante. Is it your aunt? C'est ta mère. Is it your mother? C'est ton père. Is it your father? Ça ne te regarde pas. It is not your concern. Entendons-nous bien. Let's agree. Ne pas tuer ton oncle. Don't go and kill your uncle. Ne pas maudire ton père. Or curse your father. Parce que dans le règne spirituel, because in the spiritual realm, tu n'as pas le pouvoir, you don't have the power, de maudire ton supérieur. Or cursing your superior. Si ton père te dérange, if your father bothers you, tu as une seule chose à faire. You have just one thing to tu do. Viens me voir. You come to see me. Ton oncle qui t'a hébergé te dérange, your uncle will lodge you tu viens me voir. Come to see que me. Le pasteur qui prie pour toi ne te manque pas. The pastor who prays for you may ton oncle, you. Tu ne peux pas le maudire. You cannot curse your uncle. Tu ne peux pas. You cannot. C'est pour ça que Dieu dit donc aux enfants de Dieu, that's what God told to the children of God. Ne rendez pas le mal par le mal. Do not repay evil for evil. Un enfant de 10 ans, a child of 10 years, face à un enfant de 17 ans, face a child of 17, l'enfant de 17 ans pousse la tête de l'enfant de 10 ans. The 17 years old pushes the child. Et celui de 10 ans est fâché. And the one of 10 il va prendre les langues. Il prend les langues take the courage pour une beauté. To come and quick. Celui de 17 ans, the one of 17 quand years, il le botte, when he quick him, au tibia. On the knee. Le tibia de 10 ans fait mal. Il dit yes. Le pied de 10 ans fait mal. Yes. The foot is painful. Parce qu'il voulait rendre le mal. Because he wanted to repay evil. Ton oncle. Your uncle. Son tibia est dur. His knee is so strong. Mais si tu viens me voir. But if you come to see me. Je prends le fer, je mets ça sur mon pied. Yes. I will take iron on my feet. Je le touque. I will quick him. Il a une triple fracture du tibia. Yes. And his knee will be broken. Et j'assume. And I assume it. Mais toi, but you, tu vas aller envoyer un petit frère à ton oncle qui va dire hey, ma fille, toi et tes églises là, tu ne peux pas. Your uncle will wonder about you. Il est le grand frère de ton père. He's the big of your father. Il est le chef de famille. He's the head of family. Celui qui a la marmite. He has a pot. Il a la marmite. He has the pot. Celui qui garde ça. He keeps that. Quand tu es né, when you were born, ton père avait pris le cordon ombilical chez ta mère, il a donné à ton oncle, son oncle qui a enterré ton cordon ombilical. Your father gave you another. Toi, tu peux parler devant lui. Tu peux parler devant lui. Can you speak before him? Quand une telle personne t'attaque, when such person attacks you, tu viens me voir. Come to see me. C'est mon rôle. It's my role. Donc, ton rôle. So your role. Sois en paix. Is to be in peace. Ne rends pas le mal. Do not repay evil. Si tu commences à rendre le mal, if you start repaying evil, je vais faire à mon ex. I will treat my ex. Dieu au ciel. God is in heaven. Je vais lui prouver que I will show him Moïse Moses a enterré buried les gens vivants.
People alive. Moïse était prophète. Moses was prophet. Toi, tu n'es qu'enfant de Dieu. You are just a child of God. Tu n'as pas l'appel you don't have a call pour tuer. To kill. Tu as l'appel you have a call pour aimer. To love. Ça fait mal. Does it quand hurt? Tu penses à ton oncle là, you think about that ce qu'il uncle, a fait à ta mère, what he has done to your quand mother, tu penses à ta tante là, think about that ce qu'elle a fait à ta première sœur, bénis-la. Bless her. Aide-la. Help her. Soutiens-la. Sustain her. Mais moi là, but I, je la vends. I sell her. Je la vends. I sell her. On la mange en sorcellerie. We eat and witchcraft. Et on l'enterre. And you bury her. Toi aimes tes ennemis. You love your enemies. Ne rendez pas le Mali. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien. Be careful to do what voilà is un problème right. qu'on a dans l'église. This is a problem we have in the church. Amen est facile à dire. Amen is so easy. Mais est-ce que actuellement dans ton cœur, presently in your heart, tu recherches le bien pour ceux qui t'ont fait du mal? This is what is right for those who have done you evil. Faisons un calcul simple là pendant que je parle rapidement. Let's simply calculate as I'm talking. Qui est la dernière personne qui t'a fait vraiment du mal? Who's the last person that really hurts you? Je sais qu'à 80% c'est les affaires de relations amoureuses. 80% is about love relationships. Ce que ton ex t'a fait là, what your ex-partner has tu connais non? You know. La question que je te pose, est-ce que tu as pardonné? Did you forgive? Si tu as pardonné, if yes, est-ce que tu peux l'embrasser encore? Can you hug him again? Fire. Alléluia. Amen. Pense à la dernière personne qui t'a fait du mal. Détester quelqu'un, haïr une personne, c'est mettre la personne en prison. Et la prison est faite de telle sorte qu'il y a les prisonniers et les gardiens de prison. Et tous Dieu sont prisonniers. Le gardien d'un prisonnier est un prisonnier. Dans une prison, quand il y a les odeurs, les prisonniers sentent ça, les gardiens des prisons sentent ça. Dans une prison, quand il y a des microbes, ça infecte les prisonniers, ça infecte les gardiens de prison. Quand tu prends un sorcier comme ton ex, tu le gardes dans ton cœur, sa pourriture, ses mauvaises odeurs vont t'infecter. Dieu descend du ciel après ta prière, il veut venir te bénir. Vers la fin, il veut atterrir. Il entend une odeur, il ne sent pas, mais il entend une mauvaise odeur qui vient de ton cœur. Et l'odeur a pour nom le nom de ton ex, Gaspard, 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 Gaspard. Et Dieu freine au ciel avec son jet privé, il remonte. Ma soeur, tu fais quoi avec Gaspard dans ton cœur? Libère ton cœur, laisse Gaspard partir. Laisse le monsieur là partir. Si tu veux que Dieu atterrisse dans ton cœur avec ta bénédiction, tu ne peux rien recevoir de Dieu si tu ne libères pas ton cœur. Ne cherche pas à te venger de tes ennemis. La vengeance de Dieu intervient quand tu laisses Dieu faire. La vengeance de Dieu intervient quand tu décides de pardonner, d'oublier, de laisser partir. Il y a des personnes pour savoir qu'ils n'ont pas encore pardonné. Dès qu'on te ramène le sujet là, ton cœur fait électrocution. Tu ne veux plus rire. Tout à l'heure, tu riais, mais tu ne ris plus. Attache encore bien ta face. Serre encore ça un peu plus. C'est pour ton bien que je parle. Mais pendant ce temps, tu trouves que tu te protèges. En fait, pendant que tu le fais, tu empêches à Dieu de te bénir. Est-ce que tu sais l'une des portes efficaces par laquelle le diable passe pour nous envoûter? One of the efficient that the devil uses to bewitch us. C'est la colère. Is anger. Il dit si tu te mets en colère, he says if you get angry, ne laisse pas que le soleil se couche sur ta colère. Do not allow sun to set on your anger. Toute personne qui dort étant en colère se fait envoûter au moins 8 fois la nuit là. Every person who sleeps with being angry is being bewitched. Le diable sait. So the devil knows. Quand tu rappelles ce sujet, when you bring back tu vas te mettre en colère contre toi-même. Get angry against yourself. Tu vas te mettre en colère contre cette personne. Get angry against that person. Et tu ne pourras plus recevoir de Dieu. You will no more receive from God. Si tu veux que Dieu te venge, if you want God to avenge you, laisse Dieu faire. Allow God to do. Tu peux dire Dieu à te venger you cannot help him to avenge en insultant la personne by insulting the person. Et avec les statues. And with je vous ai dit, Église, I told you quand tu fermes les statues là, when you pause, lui t'a déjà bloqué. He already blocked lui you. Ne voit même pas ça. He does not even see tu that. Fais les statues là pour qui? For whom are you posting? Je suis la fille de Sion. I'm the daughter of Zion. Même si je suis seul au monde, even if I'm the Lord, le Seigneur avec moi, the Lord is with il va me venger, he will avenge il va vous juger. He will judge you. Elle signe en bas. Elle commence à regarder. Qui a vu? Il n'est pas là. 1 heure, qui a vu? Il n'est pas là. 2 heures, qui a vu? 24 heures, il n'a pas vu. Tu sais pourquoi il n'a pas vu? You know what he had not il t'a bloqué. Because he blocked you. Maintenant, comme tu as le mal, now, and his, it tu vas sur sa page. He goes on his page. Le gars a grossi. He took nouvelle voiture. New car. Sa nouvelle petite.
C'est ton corrigé. His new girlfriend is so beautiful. Dieu God ne punit pas comme toi. Does not punish like you. Dieu God ne juge pas comme does toi. Not judge like you. Quand tu aimais le gars là, you were loving that man, tu dis Seigneur, you were saying, Lord, bénis mon gars. Bless my man. Il aura l'argent. He will have money. On va se marier. We'll get married. Il ne venait pas à l'église, mais sa photo était ici chaque jour. His picture was on the altar here every Seigneur, Lord, c'est un footballeur. He's a football player. Tous ses pieds, touch his feet. Que ses pieds deviennent durs. Comme les pieds de son bus pour Kala Congo. Seigneur, Lord, donne-lui la vitesse. Give him the speed. Les prières que les sœurs font sur les gars ici. C'est toi qui as dit Seigneur bénis-le. You are the one who asked God to bless. Et le jour où il te dit c'est fini. And the way he says, oh, tu dis Seigneur maudis-le. He said, Lord, Dieu te dit stop. I want to say stop. On ne maudit pas ce que Dieu a béni. What God has blessed cannot be cursed. C'est toi qui as mené le nom du gars ici. You are the one who brought the name of the guy here. Tu dis quoi maintenant? Now what do you say? Papa tue-le, tue-le. Daddy kill him. Et on l'a béni. Already blessed. On ne peut pas tuer la bénédiction. Cannot kill the blessing. On va gaspiller. You're going to waste. Laisse-le partir. Let him go. Une autre mange ça. Another girl will eat. Tu vois comment tu dis waouh, parce que tu es méchante. Tu es trop méchant. Qui t'a dit que attends, laisse l'autre manger. Tu vas aussi manger pour quelqu'un d'autre. Oh. Voilà. Et pour toi là, c'est même petit. Pour ce que tu vas manger ailleurs là, c'est beaucoup. Yes. Hey, amen à diminuer. Tu vois comment les gens sont méchants. Donc, elle ne veut pas que quelqu'un mange ce qu'elle a travaillé, mais elle veut manger ce que. Quand tu vas chercher les sugar daddy là, ce n'est pas les produits finis. Quelqu'un a travaillé, toi tu vas manger. Maintenant, on te dit que ton ex, même qu'il est que, il n'a que 200 000 de salaire. Laisse quelqu'un manger. Tu dis non, il va, on va le renvoyer. On le renvoie comment? Il y a une petite avec un enfant, non? On doit le renvoyer. L'enfant, on fait comment? Je m'en fous. Comme c'est le retour à l'envoyeur. Ton nouveau gars a fait ça à une autre fille. C'est une affaire, dis à ton voisin, c'est le retour à l'envoyeur. C'est le retour à l'envoyeur. Aussi vrai que tu veux que ton gars, ton ex soit frappé. As well as you want your ex to be striken. Ton nouveau là, your new one, on va aussi le frapper. Will be striken too. Avant d'arriver là, tu vois qu'il attends, il est tombé du ciel. Ton nouveau gars a une ex. Tu veux que je te dise la vérité? Tu connais même d'abord, tu connais. Voilà. Tu connais. Donc ton nouveau gars a traumatisé une ex. Donc l'ex là est chez un prophète. Waouh! Et le prophète l'a prêché sur toi, l'envoyeur. Hey. Donc, c'est une guerre d'hôtel et de retour à l'envoyeur. Donc comme toi tu refuses de pardonner. Et le prophète a une prière, dit retour à l'envoyeur. Le retour arrive sur le gars, sur son lit, et qui est couché à côté. Ma soeur, pardonne. Laisse le type là partir. Il est parti avec ce qu'il est parti là, non? Tu es resté avec ce que tu es resté, non? Yes. Dieu va ajouter encore. Amen. Jusque là, amen à tout diminuer. Je ne sais pas comment on va faire. Les cœurs sont noirs. Heads are evil. On a les cœurs noirs à l'église. Our heads are even. Je suis en train de vous dire, I am telling Dieu you, ne peut pas se venger God cannot avenge sur ton sort, on your life, sur ton cas, on your si tu veux te venger toi-même. You want to avenge yourself. Quand tu regardes une personne, when you look at a person, elle a habité chez sa tante, she lived in the house of chez her son house, oncle, the last of her chez house, son frère, the house of chez her un inconnu. La on personne, en se séparant, l'a même insulté. The person mais la personne avait quand même hébergé. Mon frère, ma soeur, une personne qui t'a hébergé en te séparant de la personne, dis seulement merci. Même si vous êtes séparés en queue de poisson, quand tu auras ta maison, je ne suis pas sûr qu'il va dormir dedans. Héberger les gens n'est pas facile. Même ton propre père, ta propre mère, quand tu as plus de 21 ans, ce n'est pas obligatoire qu'elle te garde là. Si ta mère te met dehors, sors en disant merci. Ne la maudis pas, sinon tu vas mourir. La Bible déclare, celui qui maudit son père et sa mère éteint sa lampe dans les ténèbres. Un grand frère qui t'a payé l'école est comme ton père. Like tu le maudis, tu meurs. You die.
t'a ensorcelé. Who has pearled you? Donc ta méchanceté te fait croire que tu peux maudire tout le monde. Your wickedness makes you believe you can curse. David a dormi chez Saül. David slept in the house of Saul. David a mangé chez Saül. David ate. Saül poursuit David. Saul pursued David. David fuit. David fled. Un jour Saül est fatigué. When the Saul is tired, il va se cacher dans une caverne. He went to hide in the pendant qu'il a endormi. Why is asleep? David peut le tuer. David can kill. Mais David te dit. But David say, tu m'as nourri. You fed. Tu m'as encadré. You supervised. Tu m'as habillé. You dressed. Tu m'as éduqué. You educated. Tu as été loin. You have been. Je ne toucherai pas loin de l'Éternel. David a coupé le manteau et David est parti. Toi, dès que tu as la possibilité de frapper, de maudire ton père, de maudire ta mère, de maudire ton ex, tu es déjà maudit. Tu vas mourir. On ne maudit pas comme ça. Tu as quel âge? Qui t'a enseigné ça? Who taught you that? À ton âge, tu maudis tout le monde. Your age, you curse everybody. Un patron, c'est son entreprise. A boss, it is his company. C'est son entreprise. It is his company. Si tu as licencié, if he dismissed, mais tu avais quand même pris un salaire là-bas. Even took a wage there. Et en prenant, tu disais merci. While taking the wage, we're thanking. Quand tu pars de là, when you leave, même s'il t'insulte, even if he insults you, dis que le Seigneur te bénisse. Say, may the Lord bless you. L'église est remplie de méchants. The church is full of those who are wicked. L'église est remplie de haineux. The church is full of those who are haters. Des rancuniers. Of haters, those who have rancor. On parle de Jésus. And we talk about Jesus. Vous vous rappelez jamais du bien qu'on vous a fait. You remember the good you were done. Vous vous rappelez que du mal. Madame, même s'il t'a chassé, madam, even if il t'avait fait du bien. He has on you good. Qui sait? Who knows? Dieu permet qu'il te chasse. God permits him to chase you. Parce qu'il faut que tu aies en Égypte. Because he must go to Egypt. Et de l'Égypte, tu allais en prison. Tu quitteras en prison pour le palais. Ton palace. Oncle peut te chasser. Ce n'est pas lui qui te chasse. C'est Dieu qui veut te propulser. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il te déteste, c'est Dieu qui permet qu'on te chasse, parce que tu dois monter, 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 parce que tu dois monter, monter, monter. Je suis désolé, cette relation est finie hier, parce qu'une meilleure relation arrive demain. Tu n'as pas besoin de détester ton ex. Ton ex n'est pour rien. Il y a la main de Dieu dedans. Après ton ex, viendra un meilleur. Viendra une bénédiction. Je suis en train de te dire, Dieu est dans l'affaire là. Celui qui t'a chassé là, c'est Dieu qui l'a poussé à te chasser. Il a dit dans sa parole, j'endurcirai le cœur de Pharaon. Ton oncle, c'est ton Pharaon. C'est Dieu qui l'utilise. Parce que Dieu veut t'amener quelque part. Ne déteste pas ta tante. Ne déteste pas ton oncle. Même pas ta mère. Même pas ton père. Celui qui te parle en 2015, le 2 janvier, a été chassé d'une église. J'étais chassé d'une église. Si je ne partais pas de là, il n'aurait jamais échappé de la grâce. Je suis en train de te dire. Je suis en train de te dire. Le 2 janvier 2015, j'ai été chassé d'une église devant 3000 personnes. Devant 3000 personnes, il disait, pose-en, sors de mon église. Je suis sorti et en sortant, je me suis arrêté quelque part. J'ai commencé quelque chose. La chose a grandi, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi, ça a grandi. Je suis en train de te dire, là où on t'a chassé là, là où on t'a chassé là, ce n'est pas pour ton malheur, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu n'es pas n'importe quoi, tu es une semence. Même si on t'a jeté en terre, tu vas ressortir de la terre, tu vas ressortir de la terre, tu vas ressortir de la terre. Je veux prophétiser, je veux déclarer dans ta vie, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a choisi, il te fera du bien, il va te consoler, il va te lever, il va te bénir. Au nom de Jésus, assieds-toi. Tu crois que tu es le seul qu'on a chassé? Tu n'es pas le seul qu'on a chassé. You are not the only person that was chased away. Moi, m'a chassé dans l'église. I was chased away in the church. Une affaire de famille où ma sœur, il me dit, sors de mon église. Leave my church. Et moi, comme j'étais, t'ai dit, je ne sors pas. I was stubborn. I après, quand I le culte était fini, j'ai dit à ma sœur, la fessi, I told il faut sister, que je parte. I must go. 1er février 2015, February, j'ai écrit la lettre. Je lui ai dit, restez avec votre église. I wrote the letter of the petition. À aucun moment j'avais projet d'ouvrir l'église maintenant. I had a project to open the church in je faisais that time. Mes affaires et ça marchait. I was doing my business, c'est Dieu. It is God.
C'est Dieu. Because of God. Tu n'es pas fatigué de dormir sur le petit matelas là? Are you not tired to sleep on that little mattress? Dis à ton voisin, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Je vais chasser les pasteurs bientôt. Hein. Ils vont aller commencer l'église. Yes. 2021, non? Ils vont aller commencer. Ici là, c'est le jardin d'Éden. Ils croient que c'est pour eux, non? Je vais les chasser, ils vont aller au désert. Mais comme il y a Dieu dedans, as God is involved, dans le désert, yes, ils vont produire les jardins. Amen. Yes. Je ne doute pas. I don't doubt. Si quelqu'un, même Dieu a créé la persécution à Jérusalem, even God created persecution in Jerusalem, pour que les églises se répandent dans le monde. For churches to be spread in the world. Quand Dieu voit when God sees que tu ne veux pas atteindre ton vrai niveau, you don't want to reach your real level, il met quelque chose dans le cœur de ton patron. He puts something in your heart of your ton boss. Patron te dit pas. Your boss tells you to boss, go. J'ai fait quoi? Pas. What have I done? Go. Boss, j'ai fait quoi? Pas. What have I done? Boss, go. Boss est en train de te dire, boss is je ne you. Peux pas travailler avec un autre boss. I cannot work with un boss ne peut pas travailler avec un autre boss. Boss cannot work parce with que en fait. Oh! Je suis en train de dire à quelqu'un, tu es ton boss, tu es ton boss, tu es ton boss, tu es ton boss, tu n'as rien fait, mais tu as fait ce que tu as en toi, dérange le boss, parce que tu es un autre, je veux prophétiser, je veux déclarer dans ta vie, si on te chasse, si on te chasse, si on te chasse, n'insiste pas, 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 pas. Assieds-toi. C'est qu'en fait, je ne pouvais plus rester là-bas. Ça ne donnait plus. Le truc chauffait déjà. 9 ans. Ça chauffait. Et les gens ressentaient que le type-ci ne peut plus rester là. J'ai fait 9 ans dans l'église, je ne pouvais jamais prêcher. I spent 9 years in the church, never Il y avait un programme ce samedi qu'on avait mis là, Café Chrétien. There was a program on Saturday, Café Chrétien. Et ce jour-là, les pasteurs devaient prêcher. Tous les pasteurs étaient allés sanctifier les villages et tout. Personne n'était libre. That the person were not available. Le pasteur dit comme ça que toi, tu vas même prêcher. The pastor picked me to preach. J'ai dit dans mon cœur que voilà l'erreur de ta vie. This is a mistake you made. C'est là des dents pleins. Oui, moi, c'était plein dans mon ventre. It was full in my belly. J'ai prêché ce samedi. I preached on Saturday. En prêchant, les gens manifestaient. While preaching, people were manifesting. En prêchant les gens. Donc ça n'a pas commencé aujourd'hui. It did not start today. Les gens ont senti que le petit c'est dangereux. Il va venir faire des problèmes ici. People felt that I am dangerous. Et comment je ne voulais pas partir? I could not leave. On m'a chassé. I was chased away. Dis à ton voisin, il y a Dieu dans ça. Il y a Dieu dans ça. Tu as supplié le gars à fatiguer. Already begged that man many times. Tu vois, tu sors ton message, ton téléphone là, les messages. The message on your phone. C'est comme si tu étais la nièce de Molière. Le français que tu as mis dedans. Chérie, juste une dernière chance. Et le gars, c'est comme si tu lui disais mouf. Donc, tu lui dis ça, ça l'énerve. Et tu pleures. Dis à ton voisin, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Dieu est dedans. Donc, ton ex là, non? Arrête de le supplier. Stop begging your ex partner. Supprime son numéro. Delete his number. Parce que tu dois laisser l'espace à un nouveau numéro. Because you must give the space to a new number. Yes. Le pasteur Raoul, hein? C'est un gars qui aime les jacquis. Papa Dubois est où? Je prêche, il n'est pas là. Il est même comment? Il va prêcher, tu es là, tu confirmes ce qu'il dit. Viens, cherchez-le, cherchez-le. C'est lui qui est le manager des choses comme ça. Voilà, je te vois. Donc quand je te vois, je sens la connexion, c'est bon. C'est lui qui a organisé les conneries comme ça. Le pasteur Raoul, il veut se marier. Le pasteur Raoul voit une soeur à l'église, noire et ébène, puis cirée noire. Avec les formes rocambolesques. C'est vrai que j'ai fait une semaine sans prêcher, donc j'ai un peu. Quand je ne prêche pas, j'ai mal. Ouais, on a dit qu'on finissait à 21, est-ce qu'elle veut m'en sortir? On peut couper le témoignage comme ça, on continue demain. Tu vois les gens, si on dit qu'on finit à 21h. Quand elle fait le congo ça du pasteur comme ça.
Elle dit quoi? Il y a Dieu dans ça. Il y a Dieu dans ça. Alors, il y a une soeur Jackie qui est à l'église. Et la soeur a aimé choler les cheveux. Mmh. Elle faisait les vagues. Donc, avec les favoris. Mmh. Le pasteur a un suivi. Et le suivre, la soeur, il a suivi les favoris. Mmh. Vérifiez que le pasteur est connecté. Il faut qu'il suive ton témoignage. Il appelle sa mère. Il dit à sa mère, maman, j'ai trouvé la femme, enfin. Vite, vite, comme ça. Il appelle son père, le type qui est derrière ici. Et les voilà qui ont programmé le rendez-vous ici à Fougerolles, les quartiers bizarres. Que Dieu bénisse ceux qui sont à Fougerolles. Vous êtes un peu comme Yann Colmesson. Les voilà qui vont au toqué pour demander la liste. L'oncle de la fille dit que c'est toi qui veux ma fille. On ne veut rien. Partez. Si vous voulez la prendre, prenez-la. Pas de d'autre. Rien. Partez avec elle. Dis à ton voisin qui a Dieu dans ça. Dieu dans ça. C'est le compte rendu que le monsieur-ci me fait. Et le pasteur Raoul dit que non, son prénom que c'est un sorcier. Il ne veut pas que sa fille se marie. Il y a ton voisin qui a Dieu dans ça. Il y a Dieu dans ça. On va continuer demain. Vous aimez trop les histoires. Il y a Dieu dans ça. L'oncle refuse le mariage. On croit que c'est que l'oncle est sorcier. L'on reconnaît qui est sa fille là. Dis à ton voisin qu'il y a Dieu dans ça. Il y a Dieu dans ça. Tu vois une soeur, elle est calme là, elle est assise comme ça. Elle a vos yeux là. Les vipères. Mon frère, la soeur qui t'a barré là, ne pleure pas, il y a Dieu dans ça. Hey! Deux semaines après, il a senti que Dieu était dans l'affaire. La fille était une vipère, une sorcière. S'il avait pris la liste et doté, il était mort. Donc Dieu lui-même a touché le cœur de l'oncle païen. Il a dit, l'affaire, si, je ne veux pas votre dot. Allez d'abord tester, vérifier si la fille est normale. Dis à ton voisin, il y a Dieu dans ça. Quand deux mois après, le pasteur l'a confirmé, il a dit, Seigneur, je bénis Dieu pour la vie de l'oncle. Ton gars qui t'a barré là, la fille qui t'a chassé là, ton patron qui t'a fait un genre là, l'église où on t'a fait comme ça là, dis à ton voisin, il y a Dieu. Dans ça. Donc, la première Jackie n'était pas Jackie. Dieu préparait la deuxième Jackie. Oh. Et j'ai dit, après ce qu'on t'a fait là, le bon arrive. Le meilleur arrive. Amen. Le meilleur arrive. Amen. Assieds-toi. Je donne l'autre témoignage. Parce que Dubois est là maintenant. Toujours lui. Elle dit, moi je suis le chef bandit. Lui, il est le cowboy. Il y a une soeur ici, elle était avec son ami là et tout, il veut épouser un benguiste. Le gars dérange, il se prend la tête, il est beau, grand, mignon. On ne sait pas s'il est mignon, mais il joue mignon quand même. Dis d'abord à quelqu'un qui a Dieu dans ça, c'est le refrain. Et quand le gars dérange, j'ai dit au pasteur Dubois que dis à la fille ici que les gars sont comme ça. Supporte. Pasteur dit à la soeur, supporte. Au nom de Jésus, supporte. Dieu m'a montré, supporte. Dieu m'a dit, supporte. Dieu m'a... Supporte. Supporte. Supporte.
Dis à ton voisin adieu dans ça. C'est à cause de vous qu'on a fini à plus de 21 heures. La fille a dit à Pasteur Dubois que je ne supporte pas. C'était son choix. Mon choix, c'est qu'elle supporte. Le cowboy supporte. Elle a dit, je ne supporte pas. Qu'elle a barré le type. 1-4-2. Un système de chimiotactisme positif. Yes. Un autre benguiste est arrivé. Pas pour blaguer. Mais pour faire les choses sérieuses. Yes. Directement. En peu de temps. Demande un mariage. Avec une bague en diamant. Oh. Dis à ton voisin adieu. Dans ça. Si elle avait écouté le cowboy. Je l'ai saboté, je l'ai saboté. Elle vient me voir et me dit, papa, tu avais prophétisé que la demande sera avec le diamant et que la personne va reconnaître mon enfant. Le gars a reconnu la fille de la, yes, de la fille. Donc sa fille est déjà française. Dis à Dieu dans ça, il y a Dieu dans ça. Yes. Je danse, ne me farotez pas. Ne blaguez pas. Hey. On va partager ça ensemble, hein. Attendez. On va partager. Faites farauter. Tu quitteras des cris de détresse pour les cris d'allégresse. Amen. Alléluia. Amen. Quand Dieu est dans quelque chose, quand Dieu est dans quelque chose, when God is involved somewhere, tu peux pleurer au début. You can cry in the beginning, mais tu vas te réjouir à la fin. But at the end you will rejoice. Laissons Dieu cette semaine nous venger. Amen. Enlève ta main dans ça. Remove your hand there. Ne déteste pas le monsieur. Do not hate the man. Ne haïs pas la dame. Do not hate the lady. Ta tante a fait ce qu'elle a fait. Your aunt has done what ton patron a fait ce qu'il a fait. Your boss did what ton pasteur a fait ce qu'il a fait. Your boss did what laisse-le did. Partir. Let yes. him go. Joseph ne détestait personne. Joseph was hating nobody. Il aimait ses frères. He was loving his brothers. Et Genèse 50. Genesis 15. Quand ils se sont assis pour manger chez lui. When they sat to eat in his house. Il leur a dit. He told them. Vous avez voulu me faire du mal. You wanted to do me evil. Mais Dieu a changé. But God has turned. Dieu a changé. God has turned. Ce n'est pas un homme qui a changé, mais Dieu a changé. It is not the man who turned. Parce que Joseph a laissé Dieu faire. Because yes. Joseph allowed God to si do. Tu veux faire, toi-même change alors. If you want to do it yourself, change it with mais you. Si tu laisses Dieu faire, Dieu va changer. If you allow God to do, he will turn it. Ne détestez pas ces gens. Do not hate those people. Un pasteur t'a maudit. A pastor has cursed. Laisse Dieu faire. Allow God to do. On ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. You cannot curse those who si tu as été béni, if you have been blessed, les malédictions là. Retour à l'envoyeur. Vous pensez que vous êtes ici par hasard? You think you are here by chance? Ici là. Here. C'est le palais de la grâce. It's the palace of grace. Si tu as raison, if you are right, Dieu te fait grâce. God grants si grace. Tu as tort, if you are right, miséricorde. Amen. Ne vous vengez point vous-même. Romains chapitre 12, on finit 18-19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimé. Bien-aimé.
Mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. Car il est écrit. Car il est écrit. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. À moi la rétribution. Il te venge, il lui donne un salaire. So he avenges and he gives away. Le salaire ne vient pas de toi, le salaire vient de Dieu. The way doesn't come from you but from God. Moïse a frappé Pharaon parce que Dieu a envoyé Moïse. Moses struck Pharaoh because God sent Moses. C'est Dieu qui envoie Moïse frapper Pharaon. God is the one who sent Moses to strike Pharaoh. C'est Dieu qui envoie Samson frapper les Philistins. God sent Samson to strike the Philistines. Toi qui t'as envoyé. You who sent you. Qui t'a envoyé? Who sent you? Laisse-le partir. Let him go. Laisse-le. Let him go. Laisse-la. Let her go. Tu as fait du bien à un enfant. I've done good to a child. Elle est ingrate aujourd'hui parce qu'elle embête. Laisse-la partir. Let her go. Laisse-la. Let her go. Laisse-les. Let tous les gens que tu héberges chez toi là, all those you lodge in your ils t'insultent partout. Laisse-les, laisse-les, laisse-les. Let them go. Laisse. On sert un Dieu vivant. You are serving a laisse-les. Let them go. Tu as nourri chez toi. You fed him. Ils étaient appelés maman. They're calling aujourd'hui mama là, today. C'est ton nom qui est dans leur bouche. Laisse-les. Sort you, let them go. Ta propre fille your own daughter s'occupe des autres. Takes care of mais toi, but you, tu es comme caca devant elle. Like ne la maudis pas. Don't laisse. Amen. Dieu va te donner une autre fille. God will give you another daughter. Qui va faire plus que ta propre fille. That will do more than your own daughter. Toutes les personnes pour qui j'ai prié. All those for whom I prayed. Qui sont parties. Who went? Dieu a envoyé d'autres personnes. Who let God send new people? Moi je ne maudis pas les gens. I don't curse people. Tu quittes chapelle de la grâce, tout ce que tu dis ne m'insulte pas. If you leave chapelle de la grâce, I will not insult me. Au revoir. Goodbye. Moi je ne maudis pas les gens. I don't curse people. Tu me verras jamais maudire quelqu'un qui m'a quitté. Never you will see me cursing somebody. Jamais. Never. Pas. Go. Je connais Dieu. I know God. Et tu sèmes, you sow, tu récoltes. You raise. Moi là, I, je suis un sèmeur. I'm a sower. J'aide les gens. I help people. Je soutiens les gens. I sustain people. Je fais du bien aux gens. I do good to people. Je finance les gens. I finance people. Je sauve les gens. I save people. C'est la semence. It is a seed. Je finis de faire ça. If I finish doing that, pas. You leave. Ça te regarde. That's your problem. Mets-toi de moi à prier. Stand up, you are going to pray. Laisse-les partir. Let them go. À moi la vengeance. Demain, c'est la guerre. Amen. Mais le fondement ce soir, laisse Dieu faire. Amen. Lève tes mains, je prie pour toi. Que le Dieu de toute grâce te fasse du bien. May the God of all grace you good. Que le Dieu que je sers se souvienne de toi. May the God I serve remember tu as fait du bien, on t'a trahi. You have done good, you were betrayed. Tu as fait confiance, on t'a trahi. You trusted and you were betrayed. Tu as aidé, on t'a trahi. You have, you were betrayed. Tu as soutenu, on t'a trahi. You sustained, you were betrayed. Tu as aimé, on t'a trahi. You have loved, you were betrayed. Aujourd'hui, je déclare dans ta vie. Today I declare in your life. Tu les laisses partir. You let them go. Tu les laisses partir. Let them go. Tu les laisses partir. Let them go. Tu les laisses partir. Let them go. Le Seigneur the Lord te prépare quelque chose de meilleur. Prepare something better. Dans cette saison, season, c'est lui qui te vengera. C'est lui qui leur donnera leur rétribution. Et le Seigneur t'élèvera. Au nom de Jésus-Christ. Acclame Jésus bien. Assieds-toi, Dieu te bénisse.